la sieste, c'est un peu comme un oiseau mort. Jamais quand est-ce qu'il va se réveiller. Définir la sieste, c'est une bonne question, non? C'est un peu comme un gros canard. Une bonne sieste, il n'y a rien à dire. Il y avait plein de fruits de mer. J'ai rêvé de Brendan et Gilles. Hier soir, j'ai encore rêvé d'elle. Brendan et Gilles, c'est deux... Brendan et Gilles, en fait, c'est un... Alors, c'est des enfants. C'est ça qui était bizarre, c'est que ils étaient quand même... Donc, il y avait Brendan, qui avait une plume dans le cul et un habillé en coccinelle. Il y avait plein de fruits de mer. Un très beau rêve, très étrange, très étrange. Et ils ont le même père, pas la même mère. Comme dirait l'autre, Idriss en Soufiane. On était dans... Je me rappelle plus si c'était un lotissement ou un pavillon ou je sais pas quoi. Enfin, c'était bizarre. Brendan, quand même, était un lapin. Donc une sorte de lapin énorme, bleu, électrique. Tout en coccinelle, hein. Et Gilles qui lui tournait autour. Ce qui fait qu'ils vont être comme des petits copains. Encore et encore. Puis à un moment, en ouvrant une huître, il y avait Brendan et Gilles. Et ils me disent, toi, tu dégages. Ce qui est assez étonnant. Hein. Et ils couraient après Gilles, un homme comme vous et moi. Donc Brendan, c'est le garçon. Et donc Brendan, ce beau Brendan, qui se tape Gilles. Bon, ils m'ont agrippé la jambe, ils voulaient m'emmener avec eux dans la vase et tout. C'était... Ils finissent par coucher ensemble et là, ça devient quand même plutôt trash. Mais voilà. Ce lapin passait son temps à courir après Gilles. Puis moi, je fais, mais non, je vais m'envoler. Donc Gilles, l'étoile des mers, ça fait un peu comme Bob l'éponge. Puis à un moment, je sais pas, il lâche prise et... Je sais pas, ils ont disparu tout d'un coup. Et à ce moment-là, je me suis réveillé. Et en sueur, hein, parce que c'est quand même assez... c'était un choc. C'est un peu les Bonnie and Clyde du 21e siècle, toi, non ?